Yep tout le monde, c'est Fufu. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Certain Magical Index. Voilà, on va l'appeler comme ça, ou Index, j'appellerai sûrement à l'avenir. Aujourd'hui, vidéo invocation, voilà. J'ai farm un petit peu le jeu, voilà. Il y en a d'autres, ils ont farm beaucoup plus que moi, mais bon, hein. On va s'abstenir déjà à ça, c'est pas trop mal. Tout simplement parce qu'ils viennent de sortir un nouveau portail. À savoir que les personnages qui sont dedans, c'est déjà des personnages qui sont intégrés dans le jeu, c'est-à-dire qu'on pouvait déjà les avoir en pool. Mais là, on a un taux augmenté sur Kanzaki et Steel, qui sont des personnages que j'affectionne beaucoup, en fait. Que je trouve vachement stylés. Surtout Kanzaki, donc on va essayer. Même le style, avec ses flammes qui sont vraiment incroyables. Je sais pas si ils vont le montrer là, parce qu'elle nous montre juste la nana. On se demande pourquoi, mais je comprends tout à fait. Donc 3000, on va se retrouver, je pense, pour 3 multi. Voilà, tout simplement. Et on va prier pour avoir du lourd. Allez, s'il vous plaît. Au moins des deux, je serais content. Je crois que c'est 0-0 quelque chose pour les autres, et eux c'est 0-5, donc la probabilité d'avoir un personnage du portail est quand même assez grand. Ah là, ah là. Ok, là on a juste elle, là. Ça sent pas bon, ça sent pas bon. Ouh. C'est pas elle, c'est clairement pas elle. Oh, ok, ok, nice. J'ai oublié le nom, mais ok. Ah, ça fait un petit nouveau 3 étoiles battle, je suis content. Par contre, maintenant, il me faudrait peut-être un peu plus d'assist. Parce que je crois que les deux persos du portail, en plus, c'est que des... Alors voilà, style, par exemple. En vrai, il est grave stylé, hein. Il est grave stylé. Ok, on va passer à l'orange. Ah ok, parce que des fois ça m'est arrivé que juste un bronze passe carrément à un 3 étoiles. Donc ça, ça s'est pété. Là c'est toujours possible en vrai hein. Oh, putain, 2 dans la multi. C'est quoi ça? Oh non. Oh, c'est une assist, remarque. Il me semble que celle-là c'est assist. Oh putain, elle est en fin de saison elle. Yeah. Hier, yeah, j'accepte tout à fait. Tout à fait. Et on finit avec un style. Ok, un style 2 étoiles. Moi j'aimerais bien avoir finalement le 3 étoiles. Il est trop stylé en vrai. Ok, plutôt content, mais on a toujours pas des personnages du portail. Mais c'est pas impossible, hein, clairement. Ça drop assez bien le jeu, hein. Le 5%, tu le ressens quand même bien. On se demande même parfois si on n'est pas un peu au-dessus. Mais c'est plutôt cool. Oula, là il y en a même pas une. Ok. Alors on sent la multi caca. En même temps, ça faisait un moment que j'ai de la chance, on va pas se mentir. Oh putain, lui, je lui ai eu 3 étoiles. Il est très stylé d'ailleurs. Ok. Ok, ok. Misaka. Misaka. What? D'accord, ok. Bon. On part sur du... Sur du 2 étoiles, mais attention à savoir aussi qu'on peut les up. Qui peut être très intéressant. Et d'ailleurs, dans le mode histoire, les gars, quand vous êtes en mode hard, vous pouvez augmenter les fragments. Vous pouvez gagner les fragments de personnages. Et ça, c'est plutôt ouf. Ok. Allez, s'il te plaît, un des deux. Sur cette multi. S'il te plaît. Le jeu. Sérieux, cette invocation quoi. Oh non, Minou. Minou. Ouah, ça s'annonce compliqué hein. Index. Ah. Oh, y'a bien moyen. Vu la voix, y'a bien moyen. Non. What? On a cette Misaka là. Oh gros. Oh nice. Ok. Elle est stylée de ouf. Regardez cette carte. Non franchement en vrai. Ok. En fait si ça dure hyper longtemps, ça peut se transformer. Mais là ça va être compliqué. Je pense que une, déjà c'est bien beau d'en avoir une. Vu l'animation du tirage là. Ok stylé. La dernière, est-ce que ça va se débloquer ou pas? Ah pas du tout.
Je veux la Kanzaki 3 étoiles, s'il vous plaît. Eh ben écoutez les gars, je crois que c'est une défaite sur nos deux personnages. Je pensais que ça aurait été plus simple de les avoir, mais c'est vrai qu'il y a énormément de persos de genre à dropper dans le portail, il y a beaucoup de 3 étoiles, ce qui fait que c'est au final pas si facile que ça d'avoir les personnages que l'on souhaite. D'ailleurs, je vais vous montrer si vous voulez voir. Alors attendez, hop. Oh, je peux bientôt refaire une multi. Je vais voir si j'en fais à part ou on en fera en live, on va voir comment ça se passera. Ah oui, merde, je suis con. Mais c'est clair que là, je vais pouvoir me remettre assez bien. Je crois que c'est ici. Alors, je suis désolé pour ma voix, elle est toujours cassée. C'est que là, c'est pire en pire. La vérité. Alors, attention, si ça veut bien pop. Ici, ils nous disent juste que... voilà, ils nous montrent les splash art des cartes. Regardez, genre, style. Vraiment stylé aussi. Hein. Alors, là, du coup... je crois que... voilà, donc là, ils nous disent que c'est 5%. Et si je ne m'abuse... voilà. Alors, regardez tous les 3 étoiles qu'il y a. Voilà. Autant dire qu'il y en a un paquet. Voilà. Enfin, honnêtement, je pense qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc là, vous voyez, on a 0,5 entre 0,09. Le taux de drop, quand même, est plutôt élevé pour les deux. Mais le reste, enfin, il y en a tellement, quoi. Mais bon, je suis content, je peux être spécialement doublon. J'ai eu de l'assist comme je voulais et un nouveau battle. Donc je vais pouvoir bien me remplir au niveau de la team. Donc ça, c'est cool. Et je tenterai tout simplement de monter un peu plus dans l'histoire. Et essayer de drop au moins une Kanzaki ou un steel. Je serais très content. Et puis voilà, tout simplement. En tout cas, les gars, j'espère que cette vidéo sur Magical No Index vous aura plu. Je pense en faire quand même plus de vidéos dessus, j'aime beaucoup le jeu et j'aime beaucoup aussi l'animé, donc moi c'est je retiens jamais les personnages, mais vraiment très sympa. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous incite comme d'habitude à vous abonner, à lâcher le petit pouce bleu, à voir mon petit utip si vous avez du temps, et puis moi je vous dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde.